Good morning, à la Iden, le Suisse, aujourd'hui le Ménuchemat, Chayester, Bat Myriam, ainsi que l'Irfouat, Olivier Israël, Shimon, Ben Chayester, Khamshat Myriam, Bat Rodelena, et Benjamin Ben Chabiba, si vous souhaitez, vous aider d'une prochaine étude du Mishnah, qu'on a fait la 5 minutes éternelle, nous étions Massachat Shabbat, Perikraf, Mishnah Gemel. En Shorin et Achil Tit Bepo, Shrin, Aval Noten et Toch Achometz. Ven Shorin et Akarashinin, Velo, Shafin, Otan, Aval Noten et Toch Akevara, O le Toch Akalkala. En kovrin et a teven bakvara, velo et en al gabem akom gavoa bishvil sheir et amots, avel noten hu bakvara, ve noten et or haevos. On a une Mishnah de nouveau où ça va être un petit peu difficile de comprendre la situation exacte parce qu'on ne sait même pas c'est quoi exactement le chiltit. Il propose des traductions en yiddish. En tout cas, je commence à traduire. En shorin et a chiltit be pochrin. On ne pourra pas faire macérer du chiltit qui est une plante. Ouais, une plante qui réchauffe. Quand on la boit, elle réchauffe le corps. L'usage, il était de la boire dans les pays froids ou quand il faisait froid, on la buvait et ça réchauffait. Et on ne pourra pas faire tremper cette plante, donc faire macérer cette plante pendant Shabbat, bepochrin, même dans de l'eau tiède. Par contre, le Tanaka m'a permis de le faire dans l'eau froide, et la Halakha, elle interdit de le faire dans l'eau froide, comme c'est la Gemara qui le rapporte, comme ça rapporte ici dans le Melech Shlomo, dans le Nimoké Agrive. Donc, Enshurin interchetit bepochrin, on ne pourra pas laisser tremper. Faire macérer cette plante, le chiltit, dans de l'eau tiède, ou même dans le froid, donc on a rajouté. Aval notan netor chomets. Par contre, tu pourras la mettre dans le chomets, dans du vinaigre. Soit, c'est délicat à comment comprendre de quoi, quel est l'interdit exact. Le Bartorano dit que le Minatora, il n'y a aucun interdit, aucun semblant d'interdit même. C'est juste que ça ne fait pas tellement shabbatique. C'est l'expression qu'on a bien utilisée pour dire que c'est ouvdin de chol. C'est quelque chose que tu as l'habitude de faire en chol, de faire cette lotion pour la... Ça fait pas digne du Shabbat. Comme ça, c'est rapporté dans l'omimirze kema se chol. C'est un peu difficile à intégrer. Il y a le Tiferet Israël qui propose autre chose. Qu'en réalité, non. Ça rentre dans le cadre de l'interdit de ne pas faire des remèdes et des médicaments pendant Shabbat. On n'a pas le droit de se guérir pendant Shabbat. On n'a pas le droit non plus de faire des remèdes qui vont renforcer le corps, qui vont réchauffer le corps, comme ça. Il l'explique. Asur meshum shrikat samamanim. Si tu vas commencer à... D'accord, ça rend dans l'interdit, en fait, que Rami m'a interdit de prendre tout médicament, de peur qu'on va ensuite se mettre à fabriquer des remèdes en allant moudre toutes sortes de produits. D'accord. Par contre, tu pourras le mettre dans du chromètre, là, par contre, tu peux le mettre dans du vinaigre, et tu le manges, le Melachat Shlomo rapporte au nom du Ran, et après tu trempes tes légumes dedans, tu le manges comme ça, et comme ça tu vas parvenir à manger du chiltit, et ça va te réchauffer le corps. Tu auras le droit de le faire de cette manière, parce que c'est une manière plus... ça ressemble plus à un style de achila, de consommation, plus que de se guérir. Deuxième sujet maintenant. On ne fera pas non plus tremper, macérer des karchinin. Alors karchinin, c'est une autre plante. Du cressé, ouais, j'ai déjà vu que ça se traduit donc par du cresson apparemment, mais je sais pas exactement. En tout cas, c'est une plante où il y a toutes sortes d'impuretés, de saletés qui se collent, il faut le laisser tremper dans l'eau, de manière à ce qu'il va y avoir la terre qui va tomber, les petites insectes qui vont peut-être monter au-dessus. Et la Mishnah me dit, bah, t'as surtout pas le droit de le mettre à tremper dans l'eau, il faut savoir ça. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit, c'est fréquent en Israël, avec les salades vertes du Gush Katif. Zichron Livracha. Bref, la technique, elle est restée. Ils font pousser les salades vertes dans du sable. Après, on les récupère, elles ont plein de sable. Et le plus pratique, c'est de les mettre à tremper dans de l'eau, avec un petit peu de savon même. Et comme ça, ça se décolle bien. À Shabbat, c'est strictement interdit de faire ça. On n'a pas le droit de trier de cette manière. Tu es en train, en ce moment, de faire un vrai borer, Minatora, avec un kli. L'eau, triée par l'eau, comme ça, c'est un interdit Minatora. Il faut nécessairement le faire passer sous le filet d'eau du robinet et on laisse le couler, puis on frotte la truc, chaque plante à part, mais surtout pas laisser tromper. C'est écrit dans cette Mishnah, c'est exactement ce qu'on est en train d'apprendre. La karchinine et Velo Shafinotan, tu n'auras pas le droit non plus de les frotter une fois qu'elles sont déjà dans l'eau. Imaginez que l'eau, elle est déjà dans l'eau, qu'elle est déjà en train de tremper depuis avant Shabbat, et tu vas te mettre à la tremper, à la frotter un petit peu, comme ça va se décoller encore mieux pendant Shabbat, tu es en train de trier pendant Shabbat. C'est le Barthénois, regardez, il nous le dit. Elle était karchinine, massif, elle est maïm, bikli, livror, psoltan, chapsolet, tsaflemala. Il le met en paix dans l'eau, il les inonde d'eau, de manière à ce que les impuretés vont flotter au-dessus. Le chafinotan, beyad, les hachir, psoltan, les borères, tout ça c'est interdit à cause de l'interdit de borère. Ok?
interdit de trier. Donc c'est le karchinim, on dit, on ne sait pas ce que c'est le karchinim. C'est souvent traduit par ailleurs, apporte en le cresson. Même le Barthenois, il le dit en cresson. Cette fois-ci, il n'a pas dit. Mais voilà, je l'ai ici dans le Pirush HaMishnah, c'est la Rambam. Ou Zera, c'est une plante, Anikra Baravik Karsana. Le jeune Kodesh, Kusemet, alors là c'est compliqué. Ça dit ça par Kusemet, tu sais pas ce que c'est. Ou Machlin, donc la Bakar, apparemment, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on donne à manger aux bovins. Et la Mishnah me dit donc, tu n'as pas le droit d'aller créer de la sorte. Par contre, Aval Notan et Torah Gvara ou le Torah Kalkala, tu auras le droit de les donner même dans. Les transporter, apparemment, l'usage était de transporter en utilisant une passoire ou une calcala ou une boîte qui avait des trous et des fentes, et donc il y avait toutes sortes d'impuretés qui pouvaient tomber lorsqu'on allait les déplacer. Malgré tout, tu as le droit de les ramasser comme ça pour les transporter et les amener quelque part, même si l'ustensile lui-même, il va faire que ça va se trier un petit peu, il va y avoir des impuretés qui vont tomber. Ton intention n'est pas en ce moment de les trier. Ok? Et je continue. Ve en kovrin et ateven bakevara. Autre sujet encore, c'est encore le même principe. C'est cette fois-ci pour trier la. Ouais, j'avais fini la phrase. Abenoten et Tochakva, tu as le droit de les mettre dans cette passoire et dans cette. D'accord, c'est de sorte d'ustensiles de cette boîte, même si ça va tomber. J'avais fini la phrase. Ven kovrin et ateven bakvara, on n'aura pas non plus le droit d'être couvert et ateven bakvara. De tamiser, on va dire, la paille dans une kvara, aussi dans une sorte de passoire aussi, qui permettait chacun selon son trou et sa manière pour laisser les impuretés tomber et garder l'essentiel. Ou le contraire, parfois, c'est faire tomber la paille pour pouvoir garder les impuretés à l'intérieur aussi. En tout cas, c'est interdit de la trier pendant le Shabbat. De même aussi, vélo et nous imaginez maintenant, on parle de paille que tu veux donner à tes vaches, et maintenant tu veux qu'elle soit de bonne qualité, que toutes sortes d'impuretés se retirent, de cailloux, qu'elle ne se casse pas les dents. Donc, tu n'auras pas le droit de les trier. Même mieux que ça aussi. Vélo, maintenant imaginez, tu t'es dit, bon, tu sais quoi, je ne vais pas les trier, je vais juste les mettre dans un endroit un peu haut, il y a du vent qui souffle, comme ça, ça va faire tomber la paille par terre, je ramasserai la paille ensuite, et puis les cailloux, ils vont rester là-haut. Ben, tu n'as pas le droit de le faire non plus. Vélo, et tu n'auras pas non plus le droit de le mettre dans un endroit haut, pour que Bishvil, Shayer, Damos, de manière à ce que les impuretés vont tomber d'elles-mêmes. D'accord? Et aussi un interdit ça, parce que tu es en train aussi de trier. Cette fois-ci, c'est Zoré. C'est plus Borer. C'est un interdit de Zoré qui consiste à utiliser le vent pour trier. Comme on vannait le vent. On vannait le blé. Le blé, il était mélangé avec toutes sortes d'écorces. On le jetait en l'air quand il y avait du vent. Et comme ça, le vent emportait plus loin les écorces. Et il laissait tout le grain retomber sur place. D'accord? Même principe, tu n'auras pas le droit de le faire pendant Shabbat. Donc, de le mettre dans un endroit haut, de manière à ce que les impuretés vont partir avec le vent. Aval notel ou bakevara, venotel et tochaïvos. Par contre, tu as le droit d'utiliser la kvara, de nouveau, le même type de passoire, et de pour ramasser la paille et l'amener ainsi dans le evus, qui est le. Je sais pas comment ça se dit en français, le bac où on donne à manger aux animaux. Et tu as le droit de le déplacer pour l'amener là-bas, il n'y aura pas d'interdit d'utiliser l'ustensile pour le déplacer. Et même si en route, il va peut-être y avoir quelques petites impuretés qui vont tomber de nouveau. Le Barthénois nous dit, ça s'appelle d'avoir Shinomit Kaven ou Moutar, selon le Shimon, que quelque chose que tu n'as pas l'intention, une intention sur la menace qui est en train de se faire, qui n'est pas évidente. C'est pas obligé que ça va se faire, et tu n'as pas d'intérêt à ce que ça se fasse ou non. L'Arabie Shimon te dit, tu as le droit de transporter avec, même s'il va peut-être y avoir un triage qui va se faire ensuite. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Tzlacha, Kol Tov, Salam.